Re. C'est bon. Alors vas-y, continue. Du coup, c'est celle que tu voulais streamer, c'était celle que c'était Prad et Segata contre Aero Team, c'est ça? C'est ça. Donc ouais, bah on va pouvoir y aller du coup. Bon, préviens-moi quand le match va se lancer et compagnie. Bah, ils sont en phase prépa là. Nice. Nice. Ah, y'a pas la. D'accord. Ils ont pas encore remis le mode tactique, effectivement. Le mode tournoi, oui. Alors, je vais faire quelques petits réglages de streams ou pas de pendant ce temps. Peut-être que quand le match se lancera, tu pourras commenter ce premier tour. J'en ai juste même pas pour 2 secondes en fait. Faudrait juste que j'aille sur. Je me comprends. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de recommencer à venir commenter un tout petit peu. Sachant que cette semaine est plutôt calme, il y a 2 sortes de streams, mercredi et samedi. Ce qui est agréable avec ce tournoi, c'est que du coup, on sait quand est-ce qu'on vient streamer. Il n'y a que 10 équipes, donc pas beaucoup de forfaits, mine de rien, ça aussi c'est nice. Ouais, c'est tranquille. Ouais. De toute façon, là, ça va être à peu près tranquille jusqu'au début février, où là on va lancer le All-Star, et là c'est... Ouais. Ça va être beaucoup plus compliqué pour les All-Stars. Hein. Ah, ça va être plus intéressant aussi, je pense, mais il y aura plus de soirées, du coup. Exactement. Alors du coup, si je me trompe pas, c'est Prad et Sekatin qui sont en rouge. Tu me confirmes? Oui. Okay. Prad et Sekatin en rouge et l'Aero Team en bleu. Je note ça, Prad et Sekatin. Copier. Tac tac tac. Et après faudra aussi que je mette... C'est parti! Et on est parti. Du coup, initiative Minouké, le sacrilleur de l'équipe de Prad et Sekatin, qui lance tout de suite son châtiment osé et agile. On est probablement parti sur un mode haut. Pas dire de conneries, puisqu'il y a les 10 fixes terres d'un masque fond marin. Ça, c'est étonnant d'avoir mis un masque fond marin plutôt qu'un kidibolé. Bon. Ouais, donc, et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il a pas de rapière en plus. Apparemment, il n'y a pas de rapière, ouais. Donc on va voir comment est-ce qu'il joue sacrilleur, mais bon, je pense qu'il est plutôt mode haut. Et c'est étonnant d'ailleurs de ne pas mettre de rapière sur un sacrilleur quand on sait qu'avec ses résistances neutres et les furies, enfin, déjà quand tu lances tes furies, tu subis pas les dommages en plus, et avec des furies, mettre une rapière pour les plus dommages, c'est plutôt balèze. Ok. C'est un meilleur que du jeu, quoi. C'est plus esquive, res, PO, etc. C'était peut-être pour l'initiative qu'il a pas mis. Le mail du fini. Aerosmith, du coup, qui a joué juste derrière, qui est venu poser un petit Doppelintrof, qui lui est parti sur un truc classique avec un archétype, des pâteaux gastriques. Enfin, vous commencez à connaître tous les Unitrof, hein, Nidas, pâteaux, etc. Ouais, c'est pas très compliqué maintenant. Donc, on a mis un petit Doppel et une petite pelle animée pour repousser Minoki en arrière. Et on a reculé. Alors, Pradix qui joue comme la dernière fois que je l'avais vu, donc avec une Strigide Blourson et un Dofus Nébuleux. Donc, avec en option de faire un réseau pendant 3 tours et de one-shot quelqu'un tour 3 avec une coopération. En profitant du boost de Nébuleux. Et donc, il s'est rendu invisible tout de suite et qui a mis un répulsif de mortel pour commencer son réseau. Ouais, c'est pas tour assez derrière... classique. T'as vu, il porte un Nébuleux? Oui, je l'ai dit. Ah, pardon. Ça, c'est pas... Tu l'as pas entendu ou... Non, en fait, je suis en train de faire les petits réglages de stream, du coup, désolé. Mais c'est bon, j'ai fini. Pas de soucis. Alors, Aerosmith qui va... Aero, directement... Ulti, du coup, qui était venu poser un portail juste à côté de Pénis. Je pensais qu'il allait le ramener. Je pensais aussi, mais en fait, du coup, ça annonce que Lyob va directement taper dessus. Hein. C'est ça. Comme il joue juste derrière. La question, c'est... Qu'est-ce que Lyob va choisir pour taper? Donc, est-ce qu'on va utiliser... une colère ou tout simplement deux pressions, une destin de manière plus logique. Alors pourquoi cet archétype? Pour soigner 500 HP. Ouais, et mettre le sac ennemi, c'est intelligent. Le sac qui est bien joué, évidemment. Je sais pas si t'as remarqué, mais le Nutrof qui joue entre l'Hélio et le Nu, enfin entre l'Hélio et l'Iop, c'est plutôt sympa. Parce que genre il peut éviter du coup un tour de burst, quoi. Avec sa choré pour son Oui, mais ça veut aussi dire que le tour où Aerosmith voudra corrupt. Il va corrupt une Nutrof adverse et il n'y aura aucune possibilité de réponse par une autre corruption ou par une retraite ou par quoi que ce soit parce que c'est lui qui va être corrupt. Il va falloir que tu fasses très attention à ces lignes de vie, effectivement. Bon,
on se fait pas chier, on vient directement lâcher une colère pour casser le sac tout de suite. Je pense que de pression une destin aurait été plus rentable, il aurait cassé le sac et il aurait tapé. Surtout que, je sais pas si t'as remarqué, mais ce Yop il joue en 11 PA, et jouer ouais. Colère avec 11 PA, c'est compliqué. Bon certes on a un Eniripsa avec dans sa team, mais quand même. Ouais, la destin est mieux généralement. Oui. Je sais pas d'ailleurs qui joue toujours son mode que j'ai vu la première fois, je sais toujours pas ce que c'est, il y a beaucoup de rescrits. Il me semble que la première fois on avait fait remarquer qu'il jouait pas feu du tout, il était plutôt full terre. Non, il portait quelques items reines. Il semblait ce qu'on avait dit. Non, on avait dit qu'il avait une amulette Nocturlab pour les 20 fixes haut. Mais après je sais plus ce qu'il avait d'autre. Bref. Chaud. Un truc full terre en tout cas. Oui. Pénis qui joue toujours avec son archétype sans fixer. Comme sont les nuls d'ailleurs, comme avec les gens. Les deux ils ont un archétype sans fixer. Ouais. Et qui joue à peu près le même un stuff que la classique Feka, donc Vortex Pathogastrique. Du Red PA, tout le bordel, et Aérohileuse qui est venu stimuler son Inutroph et son Yop, qui joue une base Vortex elle aussi en pathogastrique classique. Et alors eux, t'as vu, ils n'hésitent pas à invoquer des Dopals alors qu'ils jouent contre un Sacrieur. En général, quand on affronte un Sacri, on se dit non, on va pas invoquer des Dopals, on va pas booster un Sacri inutilement. Bah là, que dalle, hein. Les mecs ils n'hésitent pas, Dopal est nu, Dopal est ni, on attend. Inoke qui commence directement à se débarrasser de cette pelle animée et stacker, mine de rien, les plus dommages. Sur sa furie, ouais. Notez que Pénis a posé une Glyph Gravita tour 1, mais il a pas rempart. Du coup, on va attendre ce tour 2 pour venir rempart, probablement. En sachant que le Sacrieur claquera sa coopération tour 3 pour le réseau. Oui, bah c'est plutôt logique en fait de lancer le rempart en décalé, puisqu'en général, au premier tour, t'as pas vraiment de dommages. On verra. Et du coup, ça laissera aussi la possibilité à Prad X de revenir en fait dans la zone rempart hein, pour aussi lui le choper ses points de bouclier. Alors allez, les Nutroph du coup qui décide de s'accélérer, qui passe directement par un portail, on va pouvoir peut-être commencer à debuff, mettre une clé réductrice sur White Legend ou la corruption direct. Ok. On se prend pas la tête. La cupie, ok, on est parti pour faire un gros bourrinage tour 2. Oui, bah oui, en fait on corrupte tout simplement le personnage qui joue entre l'Hélio et le Yop. Et on accélère pas son Hélio du coup ? Non, okay. Je pense qu'il se dit l'Hélio aura pas vraiment de soucis pour poser ses portails. Parce que là, en gros, l'Hélio il a une mission, c'est poser deux portails, dont un devant White Legend, pour que ne sait pas puisse tout simplement taper à travers avec ses 11 PA. Pas sur White Legend, White Legend il est corrupt donc il est un vulnérable. Ah oui, merde. Oui. Sur Minoki à la limite, mais pas sur White Legend. Oui. Tu as tout à fait raison, exact. Alors, un truc qui serait peut-être malin de la part de Pradix, ça serait de mettre un piège répu ici. Parce qu'il y aurait de fortes chances pour que Hero Multi passe à côté de son portail pour venir bourriner sur le Sacrieur, parce que c'est le seul qui peut bourriner. S'il mettait un piège répu ici, et que Hero Multi passait à côté de son portail, il se ferait pousser dans son portail et il passerait pas. Bon, du coup, Hero Multi qui a peut-être senti le coup fourré venir, qui va passer par l'autre côté. Ou pas. C'est pas faux. Une commotion pour dégager ce Doppel, et 1, 2, 3, il va lui manquer un de portée. Ah non, pardon, j'en ai dit. Non, je sais pas compter. C'est pas grave. Bah parce qu'il augmente sa PO avec étirement, c'est peut-être pour ça que ça t'a étonné. Non mais c'est 7 PO, je sais le portail, mais sous étirement c'est 7 PO, mais j'ai mal compté. Bon, il lance le putsch, est-ce qu'on va commencer à stacker des pressions? Sachant qu'il y a toujours pas de rempart. Hein. En puissance, ok. Ce qui précise. Une pression. Bah oui, précis, forcément. Ça m'a deux épées d'IOP, probablement. Non. D'accord. Ah, et Pénis, regarde, il va se faire one shot. Hein. Il reste 2 PA, elle est morte, voilà. Avec 41% terre. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu ce que vient de nous faire ce IOP avec ses 11 PA. Bah, c'était skillé comme move, c'était vraiment extrêmement dur à mettre en place avec la corrup. Je leur dis bravo, hein, parce que c'est pas un move qu'on a vu tout l'été. Quel chien. Non mais... Toute ironie. Ironie mise à part, ça restait bien joué. Hein. Je pense que c'est simple en fait. Je pense que l'équipe d'en face s'est laissé un peu avoir par le fait qu'il a claqué la colère tour 1 et qu'il avait rien préparé. Ouais. Donc ils se sont dit ouais bon ils vont pas faire ça tour 2, ils vont attendre leur tour 4 pour mettre leur colère en même temps et être sûr de one shot. En fait non, pas du tout, hein. Sur un Feka qui a 41% terre, on fait du 4000 en un tour.
tranquillement, dans le plus grand des calmes. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, de voir Aero Multiple assez bien se porter, parce que le fois, on était tombé sur un match avec un héliotrope qui galérait complètement avec ses portails. Aero Multiple prouve qu'il sait jouer la classe, c'est cool. Bon, et comme le fait remarquer un... Sanze, comme le fait remarquer un Telojime sur le chat, ouais, le nerf de l'hélio, on le ressent pas vraiment, quoi. C'est... Non. C'est pas le nerf le plus scandaleux du monde. Bon, alors du coup, je sais pas s'il a fait attention, mais quand le SRAM avait posé ses mortels, il était là et là. C'est-à-dire que comme les mortels sont lançables en ligne, il y a de fortes chances pour que les mortels soient sur cette ligne. Et donc que l'entrée d'un potentiel réseau soit par là. Donc ce qui serait malin, c'est de mettre un sac ou une pelle. Il a plus l'appel. Il a plus l'appel, ouais. Une cahouette peut-être. Je sais qu'il a la cahouette. Ouais, il a mis le plus important. Il a mis le sac hein, déjà pour permettre justement à cette église. Le sac qui va pas tempo grand chose. Hein. Ouais, il peut tempo deux portails. Hein. Deux pièges. Hein. Et on est seulement au tour 3, c'est-à-dire que. Ah, la maladresse de masque, il passe pas des masques par contre. Bon, du coup, peut-être que le sac va être sympa, il va courir dans les pièges. Comme ça. Voilà. Et en plus, un répulsif qui claque, c'est bien, bien, bien embêtant pour Practice quand même, puisqu'il doit le reposer du coup. Bon, bah, c'est cool. On est obligé de le reposer, on lance la pulsion de chakra, ça annonce le réseau. Et tu vois, il se prend que 1700, il va pouvoir rentrer chez lui. Juste après, il y a un Enerimsa qui peut recon. Et pourtant, il avait un nébuleux, hein, ce SRAM, oui. Sur ce tour 3. Aero Multi qui avait plus. Johnson, c'était pas très fort. Hein, oui, on l'avait noté encore, je crois, la fois passée, cette oui, stratégie de Glourson sur un SRAM. C'est pas fou. T'as un portable qui est pas loin de ton micro, peut-être. Non, c'est pas moi. T'es Zay, alors. Impossible, vrai. J'ai le micro coupé. Non, mais c'est pas moi. Non, non, il t'avait le micro ouvert, mais c'était bon par là. Non, mais je suis en push to talk, donc... Ok. Bon, alors du coup... Un petit réseau de portail qui est replacé pour permettre à... Pas à ne sais pas, mais à... Yeni. Si, si, pardon, à ne sais pas de pouvoir venir taper sur Minoké avec des épées diop. Va-t-il le faire? Est-ce il est joué en tout cas, son portail. Est-ce que Wake Legend va l'empêcher, sachant que vu comment il est placé, il ne sait pas, il suffirait de mettre une cabotte pile poil devant le portail pour bien gêner ce diap. Passe pas excité, s'il te plaît, fais un truc. Ok, juste, ça sera juste un archétype. Bon, du coup, Minoké qui va se faire refaire le portrait par ne sait pas et par Aéro-Hileuse. Ouais. Il va prendre deux épées diop et il les interdit derrière. Ouais, et c'est dommage parce que s'il y avait une case derrière le portail, le Yop aurait pu créer une zone d'épée Yop avec Prax. Il suffisait de mettre une cahouette ici et ça aurait vachement gêné. Hein. Ah oui, de la part de White Legend. Non, mais je parle de. Oui. Avec un souffle, on aurait pu peut-être replacer Prax si la map avait été un peu plus grande. Mais bon, du coup, il tape super fort, quoi, voilà. Tranquillement. Ouais. Posément. En plus, le réseau de. Minoki qui se fait déboîter parce que on a une distance de portail qui fait toute la map, même si maintenant il n'y a plus que deux portails qui comptent, on a quand même une distance de portail qui fait la moitié de la map, donc fatalement ça fait très mal. Il avait la puissance quand même ce Yop, hein, ça explique aussi un peu les gros dommages, en plus de la longueur des portails. Il y avait encore la Cupi d'ailleurs qui était active, il y avait encore la Cupi active, donc il était sous puissance plus Cupi. Bon, on a vraiment tout mis hein, autour d'eux. On a vraiment tout mis pour tuer ce. Minoké qui a pas quoi. Grand chose à faire malheureusement. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'il veut exploiter les portails, c'est remonter jusque là et mettre des furies dans le portail pour taper sur Aerosmith. Mais bon, c'est pas forcément la meilleure idée. Là par contre, tu n'as pas de kawot vu que tu l'as posé tour 1. Donc il va falloir que tu te mettes dessus directement. Voilà, c'est ce qu'il fait. On passe son tour à faire ça du coup. Peut-être un châtiment vitalesque. Non, ce sera une épée volante. Qui passe dans le portail. Bon, le souci là, c'est que Aero Multi va pouvoir tout de suite déjà, ça va permettre à Aerosmith de taper dans le portail pour taper sur Pradix. Oui. Déjà. Non, là, t'es une case trop. Non, il veut juste. Ah, d'accord.
pourquoi pas après tout. Ok, ils veulent absolument tuer Sakri. Apparemment. Ouais, enfin c'est quand même super osé. Hein. Bah ouais, surtout qu'il aurait pu tout simplement kick PM et désinvo Pradix sans trop prendre de risques. Après ça reste un SRAM autour de Nebuba, il n'y a plus de piège. Il n'y a plus de piège, donc ça va. Alors, donc on va voir ce SRAM, qui sans doute devoir essayer de mettre de l'érosion sur Aerosmith, mais mauvais tour. Je suis pas vraiment fan, moi, des SRAM en nébuleux, hein. Je sais pas ce que t'en penses ou pas, mais... Non, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment trop prévisible. Merci beaucoup, Narcotics. Trop prévisible, trop gênant quand tu dois... Qu'est-ce qu'il est con. Merci, Narco, ça fait plaisir. Ouais, je disais, je suis pas vraiment fan des SRAM en nébuleux parce que c'est vraiment beaucoup trop prévisible, en fait. En fait, je suis même tout simplement pas fan des SRAM qui jouent réseau. C'est pas... Ça peut être tout à fait jouable, hein, mais faut pas en faire son... Mettre un nébuleux, c'est trop prévisible, quoi. Oui. Ça en fait trop un... Ça te laisse pas le choix, quoi. C'est réseau ou rien, alors que... Alors qu'en jouant autre chose que le réseau, bah tu peux te faire... Tu peux avoir d'autres possibilités. Yep. Bon, du coup, Aero Multi qui vient placer un portail devant Minoke. Ils vont vraiment essayer de le descendre, hein, ce sacré, mais bon. White Legend qui va mettre un coup d'archétype, mais ça suffira pas en fait. Hein. Oui, ça suffira largement pas, il va se faire tuer tout simplement. Hein. Ne sait pas qui pourra tout simplement souffle le doppel Sacrier et. Ou le tuer tout simplement et taper dans le portail. C'est un joli type. Ouais, la retraite qui permet de contrer ce tour de burst, de ne sais pas, mais. Du coup, il va se choper deux équipes en deux tours. Oui. Espérons que le deuxième soigne aussi bien que le premier, parce que c'est à 1300, c'était pas dégueu quand même. Du coup, la colère qui va être déchargée dans le vide, forcément, s'il a envie de le faire, je lui conseillerais de décharger. Bon, c'est vrai que lui, il joue pas de destin. Je sais pas pourquoi je continue à y penser, mais ça me trouble un peu full terre. Bon, du coup, on va nettoyer ces deux petites invoques et on va peut-être recharger sa colère, ou pas. On peut la lancer dans le vide et lancer une flamiche sur le doppel sacré, je pense que c'est quoi que. On ne finirait pas parce qu'il est full terre. C'est assez triste. Aero Helios qui va relancer le don de PA sur son Yop, finir le doppel sacré et l'épée volante, vu qu'il a rien à faire. Aero Helios qui du coup fait un peu de heal, forcément. On est sous retraite et les mots de jouvence ne permettent plus de se libérer de la retraite. Oui, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. Pas si longtemps que ça, mais suffisamment longtemps, quoi. Un an. Un an à peu près. Ouais, c'est ça. Nébuleux, pas forcément avec réseau. Bah, le problème du nébuleux sans réseau, c'est que ça a vraiment aucun intérêt, quoi. Genre sur SRAM, le nébuleux, c'est déjà un peu naze. Si en plus c'est pour même pas jouer réseau avec, c'est vraiment zéro, quoi. En fait, c'est... Déjà que poser des pièges, c'est prévisible. Alors poser des pièges, quand t'as un nébuleux, ça t'oblige à les faire péter sur des tours impairs. C'est encore plus prévisible, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant, quoi. Après, tu peux avoir la stratégie de booster un SRAM sous un vie et de mettre une double M plus un coup de cake, mais... honnêtement... Ça marche parfois, en fait c'est bien que oui, si t'es sûr de remporter le match, quoi. Ça marche parfois, mais y a toujours mieux à faire, quoi. Alors du coup, ce petit Enutrophe qui est bloqué au corps à corps de Pratt qui va faire des petits dommages, il est toujours sur retraite. Bon du coup il va se prendre des dommages dans la figure quand même, vu que là on est au tour 5, c'est un tour impair. C'est le moment de prouver que ton nébuleux est utile, sans ton réseau de piège. Il y a 12 PA. Ah oui, mais forcément, il a une épée strigide. Ça va pas faire beaucoup de dommages. Faut que ça crit absolument. Et ça ne crit pas. Ouais. Toujours pas convaincu sur ce stuff. Oh, ça t'a pas très fort, quoi. Sachant que là, il était en tour de nébuleux et qu'il a vraiment tapé... Il a mis un seul crit. Il a pas pu se taper qu'un SRAM normal, quoi. Du coup, autour de Aero Multi, qui n'a pas grand chose à faire si ce n'est taper Minoke
Comme ça, dire la retraite, elle attend pour un tour, mais elle attend pour un tour dans le vent, quoi. S'il va se reprendre un coup de type, il va quand même se faire tuer par le Yapin. Et il a pas de ligne de vue pour mettre la carotte devant le Nutrof et empêcher un coup de type, donc il y aura un deuxième type qui va tomber. Ouais, pas de Pandore de un deuxième type empêchera pas le... Ah oui, il va tomber. Ouais, il va tout à fait tomber. Ah, il fait des gros coups de type, c'est Nutrof quand même. Oui. Et il a... Je sais pas ce qu'il a comme... Non, il a une vita, il a une vita normale, hein, pourtant. Il a des esquives normales. Ouais. Ça, c'est pas bête. Je sais pas ce qu'il espérait avec cette pelle animée. Non, j'ai pas non plus. Peut-être qu'il rentre dans le portail, mais... Non, mais il aurait pu la mettre dans le portail en plus, hein. Ouais, mais elle serait pas re-rentrée, enfin, bref. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4... On est parti en bourrinage. Boum, boum, boum. Mais il aurait pas pu la mettre dans le portail, hein. Ouais, elle tombait sur le yop. Et c'est la mort. Tombait sur le yop. RT. Tour 5, deuxième mort. Ça va vite, hein. Du côté de 9, c'est pas. On a vu vos questions, les amis, dans le chat, donc... Héroïlus qui vraiment emprunté le portail pour aller taper. Ouais, voilà, qui est fait. Rentre dans le portail, on joue vent son limitrophe pour lui enlever l'érosion. Et on va le soigner un petit peu. On a vu les amis vos questions dans le chat, on va y répondre après ce match aussi, vous inquiétez pas. Ok. La team de Aerosmith qui n'aura pas été en danger à un seul moment de cette partie, hein. Même sur le réseau de du SRAM pour l'héliotrope. Bah, faut dire que quand tu one-shot quelqu'un tour 3, tour 2, pardon, généralement t'es pas vraiment en danger sur le reste du match, quoi. Du coup, deux désinvocations, on s'achemine vers la fin, on va essayer de faire une petite écrasante pour le style. Prad, de toute façon, il a pas son invisibilité avant le prochain tour, donc il va pouvoir se faire one-shot tranquillement par un petit combo Helio-Yop. Même si le Yop sort de précis. S'il veut rester safe, s'il veut pas se faire headshot par un coup de portail, il faut qu'il reste près de son Limitrophe histoire qu'il puisse le bouger. Sinon, s'il part un peu, s'il s'écarte un peu trop, il va juste se faire tuer par un portail. On continue à taper, ça tape rien du tout. Bah, un mauvais tour de nébuleux, hein. Et aucun crit en plus, quoi. Quand t'as une stratégie d'exploit. Qui va placer White Legend pour venir le tacler. C'est là où on regrette le nerf de focus. On ça me semble. Un petit mortel, mais bon. C'était quand même assez fort, hein, focus quand même. Ça me semble. Un peu trop fort, mais. Oui, oui, voilà. Oh, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a mis ce portail? Ah, du coup, elle ne sait pas qu'il va devoir souffle plus scintille ou double pour pouvoir taper correctement. Bah. Surtout qu'il a. Surtout que c'était pas malin de le mettre à côté de Nutrof. Genre, Nutrof, il va détacler dans le portail, c'est pas grave pour lui, quoi. Ouais, voilà. Il va détecter dans le portail, il va pas rester pour se prendre des dégâts, alors que s'il est mis devant le SRAM... Et il va repasser à travers l'autre portail, peut-être? Non, il a pas les PM. Pas. Je reviens. Alors que s'il l'avait mis... Oui, pas de soucis. Alors que s'il l'avait mis devant, à côté du SRAM, il aurait pu faire un truc, quoi. Enfin, pas... Vu où les deux portails étaient placés en haut, il pouvait pas, je pense, donc c'est pour ça qu'il a voulu le faire, mais... Et même, il aurait pu mettre un portail ici, et sans venir forcément tacler Nutrof. Bref, bon, du coup, ne sait pas qu'il va juste préparer sa puissance prochain tour. Je sais pas s'il va être super utile étant donné qu'il risque de se faire des buffs par White Legends, mais de toute façon, à ce niveau-là, le combat il est clairement plié. En fait, la vraie question c'est est-ce qu'il y aura écrasante ou pas? Il n'y aura pas écrasante à mon avis. Non, avec un Enutraph en haut de la map comme ça, ça me semble compliqué. Il a déjà retraite, je sais pas s'il a couru par contre. Je vais pas souvenir qu'il est couru, par contre White Legend. Rebonsoir. Enfin bonsoir. Bonsoir Radza. Bonsoir. J'ai pas pu me libérer plus tôt. Il semble... C'est ça le combat soit fini, j'ai entendu. Oui. Il avait fini depuis le tour 3. 2 même. Oui, 2. Au moment où le pénis s'est fait ouvrir en deux. Elle a joué qu'un seul tour. Et elle avait économisé son rempart pour rien en plus. C'est ça. FK s'est dit, je vais plutôt mettre un rempart tour 2, ils ont tous reculé, ça fait one shot tour 2. Quoi qu'après, elle joue en fin de tour, donc on aurait pu lancer au tour 1. Ouais. Quand tu joues en début de tour, le lancer au tour 1, c'est pas intéressant, mais... Attention, le portable près du micro. Mais moi, mon portable, il est loin sur le lit, hein, donc...
Enfin, genre. Je regarde l'autre combat. Il est pas du tout à côté, mon portable. Ça, je vais vous donner des infos, mais il a l'air plié aussi. Bah d'accord. Ouais, de l'autre côté, il y a la team PZ qui s'est fait complètement violer par YOLO dans l'eau. D'accord. Tout ça, on est de tour 7. Et c'est... bah, la fin. Bon. Bah, en tout cas, le double qui revient tacler l'UNM, ça. Et ça me semble assez compliqué. Le SRAM qui est repassé un vie, forcément, il récup un vie au T7 si elle est lancée T1. On va partir à la chasse du coup de White Legend. On va placer les portails convenablement ou pas? Non, même pas. Si. Là, c'est plutôt nice ça. Bon, il joue juste après, donc en fait il va tout simplement encore une fois redétacler, mais... Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon le Yop pourra rentrer dans le portail pour aller taper directement au corps à corps. Sur White Legend. Alors, il y avait du niveau sinon? C'était un bon match? Bah, le match était plutôt maîtrisé de la part de Aerosmith, en fait, ils ont... La team Elu a bien joué, ouais, après la team d'en face, elle s'est fait rouler dessus sans rien pouvoir faire. Ouais. Je pense qu'ils ont été très surpris, à mon avis, par la rapidité à laquelle Elu a placé ses portails, en fait. Avec cette histoire, c'était deux compos. Enfin, il y en avait une fusion qui avait une victoire, une défaite. Ah oui. Non, c'est Prad et C4. C'était 3 et 4. 3 ah contre oui, 4 et points. C4. Bon, bah, les Yop qui vient taper sur les deux. Une victoire, une défaite. Et Fusion avait fait un match nul. Aerosmith avait fait un match nul et une victoire. On ne sait pas qui dit pour l'esport. Oui, il y a la colère, forcément. Merci, ne sait pas. Et on va assister à la mort de White Legend. Avec deux petites intis et voilà. Une coco. Ouais. Voilà. Sur 44 de raise terre quand même. Ouais, bah après, il était sous puissance, un yop full terre. C'est pas c'est normal que. Que c'est top phare, oui. Ah, il a ressorti le mode full terre. Ouais. On l'avait déjà vu, il avait fait ça, il nous avait fait ça la dernière fois. Par contre, on silence ses alliés. Ouais, on va heal tranquillement. Et là, du coup, la question, c'est où se trouve Prax. Prax qui va essayer de partir le plus loin possible pour éviter cette écrasante. Il y a quoi pour le repérer? Il y a un coffre de l'Enutroph, il y a un mot de silence de l'Eneripsa. Mot de silence qui se lance à peu près au corps à corps, donc du coup, il faut que le SRAM aille super loin. Il n'y aurait plus que du coup le coffre. Et le coffre, ça reste quand même assez YOLO et aléatoire. On va le poser quand même. Bon. Ce match qui ne sera allé que dans un seul sens, hein, quand même. Assez rapide, la maîtrise de cet héliotrope pour placer ce portail. J'aime bien, ça me fait plaisir de voir des héliotropes qui placent très bien leur portail. Mais si c'est fait trouver là, le SRAM ? Non, c'est le double. Ah attends, oui. Enfin, je dis non, mais je vais vérifier. Non, c'est trop long cette pièce. Je remettre les animations de ça. Le SRAM qui va se déplacer 1 PM par 1 PM histoire de rester invisible et d'éviter l'écrasante. Pourquoi 1 PM par 1 PM? Parce que ça voudrait dire qu'il a pu revenir en arrière, alors que si tu te déplaces de 8 PM, t'es obligé d'aller de t'être déplacé de 8, t'es obligé d'être à 8 cases de ta case de départ. Ouais, enfin, il peut c'est utiliser... unidirectionnel en fait. C'est ça. Ouais. Ouais, enfin, il aurait pu utiliser ses 8 PM d'un coup et revenir en arrière aussi. Non, parce que le pathfinding t'oblige à... Le pathfinding te dessine les chemins les plus courts. Oui, c'est pour bait le nombre de PM qu'il utilise, je comprends bien. C'est ça. Mais en soi, là, c'est... Bon, il va se barrer, 4, quoi. Oui, non, mais je comprends, mais en soi, il va se barrer super loin, quoi, donc... Pas forcément. Si ça se trouve, il a bougé de... Si ça se trouve, il est là, quoi. Ouais, c'est peut-être... Ça se trouve, il est là, exactement hein, ce qu'il souhaite faire croire à ses adversaires, et en fait, il est au milieu de eux. Ils l'ont trouvé, tu vois, il était loin. Ils l'ont trouvé, il était loin. Voilà. C'est un SRAM centenaire, en fait. Bah, je sais. Prends-moi pour un con. Mais non, je dis pas ça. Je rigole. Il va mais s'énerver tout de suite. Ah non, pas du tout, là, ce soir, je suis grave détendu, là, j'ai passé une bonne nuit, là, ça m'a... Je suis plutôt bien. Non, t'inquiète. T'es un mec du matin, si on peut appeler ça le matin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais... Bon. C'est ça.
Du coup, Aerosmith qui va y aller. Qui va libérer son coffre, probablement, pour être sûr de repérer le SRAM. Ouais. Bah, du coup, s'il finit devant, non, il pourra pas le SRAM le jouer. Enfin, quoique, si, en fait, le coffre va tout simplement faire le tour. Ouais. Il va le trouver. 3 PO, je crois, la prospection. C'est 3 cases, hein. Oula ! La zone. Ah, d'accord, le coffre. Oui, la zone de prospection du coffre pour le repérage, c'est 3 cases, effectivement. Mais au corps à corps pour les dégâts. Ouais. D'ailleurs, un truc qui m'a toujours. Je me suis toujours posé la question, c'est si tu donnes de la PO à ton coffre animé, est-ce qu'il repère plus loin ? Non. Ce serait drôle. Est-ce que tu as testé Zupadre ? Non, mais non, ça peut pas être comme ça. Bah, c'est moi aussi, zone, ça. Moi aussi, je pense pas que ça serait comme ça. Mais... Si tu rajoutes de la PO, ça augmente pas la zone d'effet d'odorat. C'est une zone. C'est sort à PO fixe, quoi. Enfin, à zone fixe. Ouais, non, même la zone, tu comme peux toutes pas... Les zones, c'est comme toutes les zones, c'est avoir plus de PO, ça c'est pas quoi, augmenter la zone. C'est quoi ce débat de merde, là ? Non, non, y'a pas... Ah, mais ça me fait marrer, moi, ça la me PO fait... sur attaque mortelle et je te fais des attaques mortelles en zone, là. C'est cool. T'imagines le machin ? Ouais, non. Du coup, Hero Multi qui va... Par contre, j'ai toujours pas vu... Ça fait quelques jours que j'essaye de checker des héliotropes qui jouent avec distribution, là, le sort. C'est un peu le genre de putsch et tout, des Lélio, mais oui, j'en vois pas. Ouais. Distribution ou dissolution ? Distribution. Oui, distribution, j'ai bien dit ça. Il y a beaucoup d'héliotropes qui sont pas encore rendus compte que ce sort est quand même assez violent. Bah oui, genre l'autre jour j'étais en train de checker les sorts de Lélio et tout, puis je suis tombé de ça, je sais, what c'était avec Radza en plus. Très violent, mais... Regardez ça, Radza. Après, il est très situationnel, hein. C'est pas non plus toujours hyper évident de le mettre, mais oui. C'est aussi situationnel qu'un putsch au final quand tu penses. Bon. Honnêtement, c'est un putsch, un revitalisant, un contre en même temps. Donc, c'est fort. C'est vraiment hein. Fat actuellement, dissolution. Et j'en ai pas croisé sur ce match aussi. Mais peu importe, bien joué du coup à la team Aerosmith qui remporte ce match en 9 tours. Prades et Katin. Enfin, contre Prades et Katin, c'était plutôt sympa. C'est ça. J'imagine qu'ils ont mis leur corrup sur le tour de burst et que... Oui, tour 2, la corruption. Assez safe. Virez ce sort, s'il vous plaît. Modifiez-le, quoi. Trouvez quelque chose, mais ne plus... Ouais, faites un truc, mais pas... Corruption, c'est un peu le cancer. Ouais, c'est... En fait, c'est ce qui rend les nus viables dans toutes... Je mâche mes mots dans toutes les compositions. Même sans corruption, les nuits est viable, hein, actuellement. Oui. Même sans corruption, les nuits est fort. Non, mais en fait, ça crée des synergies d'autant plus avec toutes les classes, en fait. Mmh. Enfin, c'est... Tu prends plus le Nutrof parce que c'est éventuellement quelqu'un qui va râler des PM, mais... Enfin, en partie, mais tu prends aussi énormément parce qu'il a la corrup, quoi. Que ce sort défensif te permet tellement de... De casser le game en fait.